abidjanaise. C'est tout un stade qui chante, qui accompagne et qui pousse ses joueurs, son 11 face aux Aigles du Mali. Pour ce duel important, et voici Patrick, le 4-3-3 proposé ce soir par Jean-Louis Gasset. La composition ivoirienne avec notamment quelques changements notables. Sangaré Ibrahim qui n'est pas là, Kessié débute, il est bel et bien là, il est bel et bien là. Il y a également Serge Aurier, on le sait. Mais remplacé par Wilfried Senghor, également Conan. Pedro dans un système également différent, le 4-3-3. Lors du précédent match, Jean-Louis Gasset avait opté pour un 3-4-3 avec de nouveaux visages. Et ce soir, il retrouve son cœur composé de Sangaré Ibrahim, Traoré Ahmed et de Franck Yannick Kessié. C'était le milieu de terrain qu'il avait sorti face au Comores. Et Kessié qui prend donc le brassard. Voilà. Et nous avons là les arbitres, notamment Niama Akleso, 32 ans, arbitre international FIFA depuis donc on va dire depuis 2019. Et cet homme a officié plusieurs rencontres internationales, notamment la Ligue des Champions et la Coupe CAF également africaine. Et sur la compo des Aigles du Mali. Et ça. Oui, un 4-4-2 proposé par Eric Kochel. Avec notamment donc Yves Bissouma qui va débuter la rencontre. Il faut faire très très attention à cet homme-là. Ah, c'est la pièce. Il cartonne fort dans son équipe. La pièce maîtresse de cette équipe des Aigles du Mali, Yves Bissouma. Tout va passer donc par lui. C'est lui qui va donner la tonalité du jeu à cette équipe des Aigles du Mali. Il évolue à Tottenham, pour être plus précis. Un jeune de 27 ans. Ah, il a une belle histoire avec la Côte d'Ivoire. Il est parti du quartier Sikoji. Oui, en passant donc par le Los pour atterrir en Angleterre. Jean-Louis Gasset, 11e match ce soir. Avec 7 victoires, un match nul, 2 défaites face au Burkina Faso 2-1 et 3-0 devant la Zambie de Kalusha Boualia, 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Il a été nommé le 20 mai 2022. La minute de silence observée en mémoire à Salif Keita, premier ballon d'or africain qui a vraiment marqué l'histoire du football malien, et également aux victimes marocains avec le séisme qui ce pays a connu, bien sûr, avec plus de 2000 morts. Salif Keita dit Domingo. Eric Schell, qui est né en Côte d'Ivoire et qui ce soir connaîtra donc son 8e match sur le banc de touche des Aigles du Mali. 45 ans révolu pour cet homme-là, né en Côte d'Ivoire, vous l'avez dit. Et 5 victoires pour les éliminatoires de la CAN, ou seulement une seule défaite contre la Gambie. Et plus rapidement, il faut dire que cet homme-là a été nommé le 7 mai 2022. Et nous accueillons maintenant les deux capitaines vainqueurs
de la Coupe d'Afrique, Gadi Sélé Saint-Joseph en 92 au Sénégal, Yaya Touré en 2015 en Guinée équatoriale, aux côtés de celui qui par la suite a pris le relais pour le brassard de capitaine des éléphants. Sérédier, on va dire capitaine courageux. C'est et comme puis ça vous voyez maintenant les visages des, oui, la génération 92. Des joueurs de 92, oui, aux côtés de l'immense Léopold Martial, qui était l'entraîneur à l'époque de cette formation-là. Les deux ont évolué à la SEC Mimosa, deux anciens milieux de terrain. Gadi Sélé Saint-Joseph et Yaya Touré. Également un ancien du Stella Club, c'est là-bas qu'il a débuté. Ah, pour parler de Gadi Sélé Saint-Joseph. Gadi Sélé, bien entendu. Effectivement, avant d'atterrir donc. Gadi Sélé Saint-Joseph et Yaya Touré. Également un ancien du Stella Club, c'est là-bas qu'il a débuté. Ah, pour parler de Gadi Sélé Saint-Joseph. Gadi Sélé, bien entendu. Effectivement, avant d'atterrir donc à la SEC et Mimosa. Il est passé également par le championnat de France. Oui. Et un retour en Côte d'Ivoire avec la SEC Mimosa. Et pourquoi pas cette année, là, permettre à Max Alain Gradel de soulever le troisième sacre de la Côte d'Ivoire, la CAN. Il y était déjà en 2015, Max Alain Gradel. Oui, en 2003 en tant que capitaine. Oui, effectivement, effectivement. En 2023, en tant que capitaine. Et en tant que capitaine, effectivement. Il peut soulever ce trophée. C'est parti pour les 45 premières minutes de ce face-à-face entre les éléphants et les aigles du Mali. 90 minutes de bonheur, 90 minutes de suspense, 90 minutes de plaisir, 90 minutes de belles pratiques de football dans ce match amical de prestige entre Ivoiriens et Maliens. Et la première touche pour les Maliens avec Dante qui va essayer de la jouer longue. Caissier va s'appuyer sur Ousmane Diomandé, deuxième titularisation avec les éléphants de Côte d'Ivoire, tout comme le portier Fofana Yaya. Ce jeune gardien n'a que 23 ans. Et les Maliens vont obtenir donc un coup franc, une faute sur Yves Bissouma, le premier coup franc pour cette équipe malienne, c'est à hauteur de la ligne médiane. Attention à la sélection malienne parce que il y a des artificiers dans cette équipe, Doumbia Kamouri. Alors que la faute l'a commise rapidement avec ce coup franc qui est parti. Le contrôle des Maliens avec Dante Amadou sur la même ligne, la déviation et qui est là, c'est Evan Ndikal. Lui aussi, deuxième titularisation avec les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont le pied sur le ballon. Ghislain Conan va essayer de forcer la décision. Demandé la faute sur Traoré Ahmed Junior, le joueur de Bournemouth, c'est en Angleterre. Il renverse le jeu à gauche sur la poitrine de Wilfried Senghor qui remplace ce soir le capitaine Serge Alain Aurier, blessé au mollet. Evan Dika, Ghislain Conan Clomandé, la grosse faute sur Bamba Jonathan. Alors on va revoir certainement cette grosse faute du capitaine malien. On la revoit là. Il est allé, il a pris carrément la jambe du joueur ivoirien. La faute de Amari Traoré, le capitaine de cette équipe des Aigles. C'est Jonathan Bamba. Allez, à gauche avec une possibilité. C'est une touche obtenue par Ghislain et Conan. Il évolue en Arabie Saoudite, mais qui a été récemment prêté par Al Nassr, le club où évolue certains Cristiano Ronaldo, le championnat de l'Arabie Saoudite. Et le dégagement difficile de Djigui Diarra suite à cette pression ivoirienne. Une première chaude alerte dans le camp malien. Allez, attention, avec un autre ballon, c'est envoyé, c'est repoussé difficilement. La Côte d'Ivoire avec Jonathan Bamba, il n'ira pas plus loin. La défense malienne a quelques difficultés à sortir ce ballon du piège. Il est récupéré par Ghislain Koumant qui va s'appuyer encore sur un coéquipier dans ce petit couloir. Il va essayer de faire la différence. Le centre de Ghislain Koumant, peut-être la première tête de Jonathan. Alors, oh, c'est pas terminé. Alors, la talonnade. Alors, finalement, Djigui Diarra va contrôler ce ballon. C'est la première sensation qui permet à ses nombreux supporters de jubiler et d'attendre l'ouverture du score de ce match. Et Sébastien, on voit bien
Il monte, il rabat de la tête le contrôle du portier malien Diarra Djigui. Ah, il était bien sur la trajectoire, sinon c'est certainement le premier but de la partie. Ce match commence très bien pour l'attaque ivoirienne avec ce ballon et cette tête manquée de Sébastien Aloy. Il attend donc ce but. Lui qui a couru après des mirages lors de la rencontre précédente, la dernière des éliminatoires de la CAN, on le voit, Sébastien Teddy alors. Oui, l'homme de Dortmund en Allemagne. Et déjà, il oblige Djigui Diarra à aller à l'hôpital. Oui, prendre sous le regard, bien sûr, de cet homme, l'entraîneur malien, Eric Sekou Chel, 45 ans, mais qui fait une grosse prestation à la tête donc de l'encadrement technique des Aigles du Mali avec 5 grosses victoires qui permet donc aux Maliens de se qualifier, d'être donc présent l'année prochaine en Côte d'Ivoire pour la CAN. Djigui Diarra qui lui évolue en Tanzanie dans le club de Young African. C'est lui qui va se dégager en 2019 lors de la victoire et l'élimination malienne. Il était le portier de cette équipe des Aigles en Égypte. Une élimination en huitième de finale suite à un but de Wilfried Zaha qui n'est pas présent dans cet effectif. Et le Mali avec son capitaine Amari Traoré à droite pour sa première montée. Il va essayer de coulisser ce ballon. Peut-il le rattraper? Oui. Dans le duel contre un, il n'a pas de solution. Il préfère revenir sur Amari Traoré qui repasse à son tour vers Sekou Niakate. Doukouré Cheikh Ouma. Le Mali avec Amadou Danté sur la même ligne. Une possibilité de dédoublement, attention. Et qui est là, le joli jeu de corps de Wilfried Senghor qui a été rudoyé par Danté Amadou. On revoit Wilfried Senghor qui va et qui fait écran. Il est abattu simplement par Danté Amadou. Ça va repartir. Senghor qui a changé lui aussi de club. Il a atterri en France du côté de l'AS Monaco et a même été buteur avant la trêve internationale. Une équipe de Monaco qui se comporte très bien en Ligue 1 de France après les 4 premières journées. Ah, le dégagement de la défense malienne et le contrôle académique. Sébastien Aloy désolé pour trouver un coéquipier. Franck-Yannick Kessier va perdre ce ballon. Attention à cette menace malienne. Il y a une possibilité à droite. Oh, Ivo Bissouma, il a vu son coéquipier. Heureusement qu'il va manquer donc son contrôle. Mais ils ont un peu joué avec le feu, les joueurs ivoiriens. Notamment avec cette perte de balle de Franck-Yannick Kessier. Et qui était dans les parages, Kone Ibrahima, 16e sélection. Il a tenté donc de récupérer ce ballon, mais malheureusement, c'était une jambe ivoirienne qui a donc intercepté cette balle. Evan Dika, là, qui va chasser le danger. Ça sort en touche au profit de Amari Traoré, le capitaine de cette équipe des Aigles. Et sur belle occupation du terrain de la part des Ivoiriens pour l'instant. Et les Maliens gardent ce ballon. Ces Maliens qui sont également friands du bon football et qui, pour l'instant, essaient de faire tourner ce ballon. Amari Traoré. Et il a vu Doumbia Kamori et qui repasse par Yves Bissouma. C'est lui, Yves Bissouma, qui donne le rythme au jeu malien. Tenté, ça ne passe pas face à Wilfried Senghor qui va récupérer ce ballon. Une autre faute sur Wilfried Senghor. L'arbitre siffle plutôt une rentrée de touche. Oui, la touche, elle est ivoirienne. Elle est ivoirienne. Allez, Sangaré. Une faute de Yves Bissouma qui a dit hier après la séance d'entraînement que ce match est loin d'être un match amical. Ils viendront pour jouer crânement leur chance pour tenter de battre enfin cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Battre le signe indien. À vaincre ce signe indien là face à cette grosse machine
des éléphants du Côte d'Ivoire, c'est pas chose facile, même si par moment les joueurs ivoiriens montrent quelques fébrilités. Ah oui. Ousmane Diomané, Sébastien Le, Ahmed Traoré à la lutte. Il aurait pu laisser l'avantage à l'arbitre togolais, mais il revient sur la faute. Et le mécontentement de Amari Traoré, le capitaine de cette équipe malienne. Alors, revoilà la faute sur Sébastien Aller. Mais franchement, quand on regarde, elle était pour les Maliens. L'arbitre plus proche de l'action, on a coutume de le dire. Il est